Nous accueillons maintenant Émilie sur la libre antenne. Bonsoir Émilie. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous, Émilie ? Alors, je suis à côté de Narbonne. J'ai 39 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler, Émilie ? Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la situation que je vis. Donc, c'est un placement abusif de ma fille qui va bientôt faire ses 9 ans. Oui. Et en fait, il se trouve que la semaine dernière, je suis tombée sur un de vos podcasts dans lequel il y avait une grand-mère qui témoignait de sa situation à elle. Oui. Elle avait voulu aider sa fille, voilà, à qui on a enlevé ses deux petites filles. Oui, voilà, je me souviens très bien. Je me souviens très bien de cette histoire, de cette maman qui voulait aider sa fille, qui avait eu des problèmes de toxicomanie, dont les petites filles avaient été donc placées. Elle s'était proposée, hein, vous me dites, hein, si je me trompe, mais elle s'était proposée pour accueillir les petites filles et on lui avait refusé. Oui, elle voyait, je crois qu'elle avait finalement une heure par mois pour voir ses petites filles. Oui. Et en plus, les deux petites filles n'étaient même pas placées au même endroit, que normalement, elles sont censées aider les fratries, hein, à ne pas se séparer. Et c'est vrai que le fait d'être tombée sur ce podcast, ça m'a redonné un petit peu du courage dans mon combat. Et voilà, c'est comme ça que j'ai cherché à rentrer en contact avec vous. Et voilà, et c'est vrai que son témoignage a fait écho en moi, même si c'est pas la même situation, mais ma maman est quand même aussi touchée en tant que grand-mère, puisqu'elle ne peut quasiment pas voir sa petite fille. Et donc du coup, voilà, je me suis dit, pour moi, c'était comme un signe qu'il fallait que je me remotive et que je, voilà, parce que je ne veux rien lâcher. Voilà, Il ne faut rien lâcher si vous estimez être dans votre bon droit. Il ne faut rien lâcher. Surtout que je crois savoir que ce placement débute par une demande d'aide, hein, de votre part. Oui, tout à fait. Alors racontez-moi ça. Votre situation à l'époque, d'abord, avant cette demande, elle est comment cette situation ? Votre situation à vous ? Moi, je suis, à l'époque, je suis une femme qui travaille à la SNCF, hein, donc j'ai un CDI. Ça fait 14 ans que je travaille à la SNCF. Je suis agréée par le procureur de la République. Je suis en tenue d'uniforme, je suis armée. Voilà, donc j'ai un métier que j'aime, une passion. Et puis, en fait, du harcèlement moral. Ça commence par du harcèlement moral à la SNCF, avec tout ce qui en découle. Et puis finalement, cet incident-là, ça va faire écho en moi. Il va y avoir tout un tas d'enchaînements, des problèmes familiaux, une amnésie traumatique, puisque voilà, j'ai été violée. Enfin, dans mon enfance, il y a eu des viols et puis des agressions sexuelles de la part d'un ami de la famille. Oui. Et donc tout ça, en fait, explose. Ça a explosé en 2020. Donc voilà, il y a tout un processus qui s'est mis en place. J'ai déposé plainte. J'ai demandé de l'aide. Il se trouve que dans notre beau pays, j'ai envie de dire, quand on est parent isolé, on a très très peu d'aide. Quand on est maman isolée ou un parent isolé, vous avez un raison parent de dire isolé. Papa aussi, fait. Mais oui. On sait, vous et moi, Émilie, qu'on a souvent plus de femmes seules avec les enfants ou un enfant. Hein, la situation concerne beaucoup plus les femmes aujourd'hui que les hommes. Il y a des papas solo, hein, bien évidemment, je suis pas en train de... C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de femmes, comme vous le dites, vous avez raison, mais je voulais pas généraliser. C'est vrai qu'il y a quand même des papas ça arrive. Et je trouve que aujourd'hui, je vous donne un exemple. L'an dernier, je regardais Jean-Marc Morandini, oui. Crimes et faits divers sur la 12. Et donc, à un moment donné, dans son émission, il y avait tout un tas d'avocats qui intervenaient. Et il y avait une avocate qui avait dit que si jamais une maman ou un papa se sent à bout et n'en peut plus de son enfant, oui. À tout moment, il peut se rendre aux urgences de son hôpital et qu'on le prendra en charge. Et je vous garantis, Olivier, je me suis rendue aux urgences de Narbonne en 2022, oui. À 3h du matin, parce que ma fille me faisait des crises. Elle tapait contre les murs, elle prenait ses jouets, elle a fait des trous dans les murs. Quel âge avait-elle à l'époque ? Elle avait 6 ans.
6 ans, d'accord. Okay. Ouais, 6 ans et demi. Voilà, c'était elle essayait de rentrer dans ma chambre, un petit peu genre l'exorciste. Mais qu'est-ce que je vais faire jusqu'à 2 heures du matin? Enfin, vraiment effroyable. Votre petite souffrait de troubles, ou est-ce que la situation la rendait un peu anxieuse? Qu'est-ce que vous diriez de ça? Je pense que il y avait des événements, voilà, auxquels elle a assisté, notamment dans ma famille, qui ont fait qu'à un moment donné, elle s'exprimait comme ça. Je pense qu'elle ne voulait pas. On n'était que toutes les deux dans la maison, et à mon avis, la seule manière qu'elle a trouvée pour exprimer ses angoisses, ses peurs, c'est tout un tas de choses, des crises, des colères, des refus de se laver, des refus d'obéir, des refus de faire ses devoirs alors que c'est une excellente élève. Enfin, des choses en fait qui, au fur et à mesure, ont abîmé notre relation, qui m'ont fragilisé et qui m'ont poussé un peu plus en fait dans le burn-out parental. Sauf qu'à l'époque, du coup, je ne savais pas, je n'avais pas mis de mots sur ce burn-out parental. Je me sentais totalement impuissante. Et pour terminer l'histoire de l'hôpital, quand je suis arrivée à 2 heures du matin à l'hôpital de Narbonne, on m'a dit « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ?»« Ben, j'aimerais bien me faire hospitaliser. »« Oui, mais qui c'est qui s'occupe de votre fille ?» Ben, je leur ai dit « Mais vous ne pouvez pas la mettre en pédiatrie pour la nuit ?»« Ah mais non, on n'a pas de place. » Et en fait, ils m'ont laissé repartir. J'avais pris un Lisantia avant de venir, vers minuit. Ils m'ont laissé repartir alors qu'il y avait du brouillard sur la route avec ma fille à 3 heures du matin. Donc aujourd'hui, en fait, quand on dit qu'on peut aller dans n'importe quel hôpital si on est à bout et qu'on vous prendra en charge, ben en fait, c'est pas vrai. D'accord, mais... Et ça fait des années que j'ai demandé à plusieurs reprises de l'aide. Alors, précisez-moi, vraiment, donnez-moi des détails, s'il vous plaît, Émilie. Ce soir-là, vous repartez avec... votre enfant vient avec vous aux urgences. Oui. Et donc, aux urgences, on vous dit qu'on ne vous prend pas ou que... parce que vous avez... Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne chercher ma fille, que quelqu'un peut venir prendre votre fille. Ben, je dis non, je suis toute seule. J'ai pas d'amis à cette heure-là, je suis toute seule, j'ai pas de famille et tout. Vous soulevez quand même une problématique encore qui met en lumière la pauvreté de notre système aujourd'hui hospitalier. Il y a 20 ans, vous seriez arrivé aux urgences avec dans l'état que vous décrivez, c'est-à-dire d'une femme qui est à bout, qui va pas bien, avec... sa fille, on aurait pris en charge votre fille aussi. Aujourd'hui, avec l'état des urgences en plus de l'hôpital français, on vous dit que ben, si personne ne vient chercher votre fille, vous vous débrouillez, quoi, en gros. C'est ça. Voilà. Bon. Ils ont fait un petit peu la leçon de morale à ma fille. Ils ont fait une annotation dans leur base informatique. Et puis, ils m'ont laissé repartir. D'accord. Donc moi, ce qui m'aidait un petit peu, c'était les périodes de vacances, je travaillais à la SNCF, mais bon, après, j'ai obtenu une rupture conventionnelle. Donc moi, les périodes de vacances scolaires, comme j'avais ma fille tout le temps, ça me permettait de pouvoir reprendre du poil de la bête. Je l'emmenais chez mes parents. Et puis moi, comme je suis quand même très sportive, voilà, je partais dans la montagne du côté des Pyrénées-Orientales et tout. Et puis j'essayais de marcher, d'exulter par le sport et de pouvoir souffler un maximum pour pouvoir retrouver ma fille sereine. Et c'est ainsi qu'en fait, j'ai réussi plus ou moins à essayer de guérir, enfin aller un petit peu mieux à chaque fois. Mais voilà, dès que ma fille revenait, ça repartait de plus belle. C'était un petit peu difficile. Et donc en fait, là où ça a commencé à vraiment être très alarmant, c'est quand j'ai constaté que ma fille se masturbait. Donc elle avait 6 ans. Et donc j'en ai parlé avec ma conseillère familiale, puisque j'ai eu la chance de rencontrer à la Maison des Solidarités une femme extraordinaire, qui m'a vraiment apporté Qui vous a rassuré, oui. Sans doute, parce que une enfant de cet âge-là ça peut être une manière de décharger, vous voyez, l'anxiété qu'elle a. Et donc, ces séances de masturbation
répétées ont dû vous inquiéter, mais la psychologue a dû vous dire que c'était quelque chose qui pouvait être fréquent chez une petite fille qui était angoissée. Alors, il est normal qu'un enfant découvre son corps, mais bon, moi, j'avais expliqué à ma fille qu'elle pouvait faire ça dans sa chambre. Et oui, là, en fait, elle le faisait régulièrement dans le salon, devant moi, ou dès que j'avais le dos tourné. Et il y avait de plus en plus d'agressivité envers moi. Oui. Elle se montrait agressive. Si j'essayais de lui mettre la main sur l'épaule, elle voulait me taper. Elle était vraiment hors d'elle. Elle transpirait beaucoup aussi. Et c'est vrai que pour moi, il y avait une grosse inquiétude. Je me suis demandé si mon père... Je pensais que mon père avait peut-être à toucher ma fille durant des siestes. Voilà. Donc j'en ai parlé à ma conseillère familiale, qui a été tout à fait d'accord avec moi. Et donc c'est de là où elle en a parlé à sa chef. Et elle est revenue vers moi en me proposant un accompagnement éducatif. Ok, on va marquer une petite pause là, oui. Si vous le voulez bien. Juste le temps de préciser quelque chose. Ces soupçons que vous avez sur votre père à l'époque, ils ne sortent pas de nulle part. Il s'est passé quelque chose avec votre père dans votre passé qui vous amène à penser que votre père a pu agresser votre petite fille durant ses siestes ? Oui. D'accord. Oui. Bon, ça, c'est quand même un fait établi et clair. Oui. Et la ZE était au courant, oui. Votre père avait déjà fait ça sur vous ? J'en ai pas la certitude. Mm-hmm. C'est son meilleur ami. Son meilleur ami avait abusé de moi. D'accord. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que votre père l'avait fait aussi ? Vous avez pu faire une confusion ? Parce que vous parlez Non, mon père, en fait, il avait des déviances, en fait, un vrai malade. Il téléchargeait des photos pornographiques par milliers. D'accord. Il les traitait, il les renommait, il les mettait dans des tableurs Excel. D'accord. Et donc, ma fille, à plusieurs moments, à plusieurs reprises, est tombée sur des photos, hein, depuis qu'elle avait 2 ans et demi. Donc, ouais. Et voilà. Ouais. Et du coup, par rapport au comportement de ma fille, j'en ai pas la certitude. C'était vraiment des doutes, des soupçons. Mais je me disais que peut-être que durant des siestes, donc elle aurait été inconsciente, et qu'à ce moment-là, peut-être que ça pourrait expliquer. Il y a en tout cas... Dans l'attitude de votre fille, parce que quand vous m'avez dit qu'elle se masturbait souvent, je pensais que vous l'aviez surprise dans sa chambre à plusieurs reprises. Or, si vous me dites qu'elle faisait ça un petit peu partout dans la maison, il est certain que cela traduisait, à 6 ans, ça ne peut traduire qu'une angoisse, hein, ça ne peut traduire qu'un trouble de quelque chose qui ne va pas chez cette petite. Si en plus vous me dites qu'elle était très agressive, qu'elle suait, qu'elle s'énervait, que cette petite a vécu quelque chose qui l'a traumatisée, c'est clair. Oui. À partir du moment où vous faites ce signalement, hein, c'est vous qui le faites, le signalement à votre conseillère, elle en parle donc à sa supérieure hiérarchique. Oui. Et qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là ? Et effectivement, ils m'ont amené le sujet d'un accompagnement éducatif, donc un AED. Voilà, et on m'a vendu du rêve, on m'a évoqué effectivement la possibilité de mettre en place une TISF, donc une technicienne d'intervention qui viendrait à mon domicile une à deux fois par semaine, justement pour pouvoir m'aider dans le quotidien, qui m'aurait aidé à calmer la relation, à ce que je retrouve une complicité avec ma fille et m'aider à comprendre aussi les comportements de ma fille. Mmh. On est dans une proposition classique d'accompagnement qui, parallèlement, hein, l'idée que ça cache, c'est déjà de faire une espèce d'état des lieux de votre situation, de voir comment vous vous débrouillez et éventuellement, bien évidemment, vous aider par rapport à votre petite, parce que là, vous nous décrivez une situation où le contact est beaucoup plus difficile, voire il y a un danger qu'il se rompt à tout moment. On vous refuse donc, une fois arrivé aux urgences à Narbonne, de garder votre fille. Vous repartez avec votre fille et vous faites appel donc aux services sociaux qui vous accordent donc
une mise en place de ce qu'on appelle un TISF, en fait, qui est une proposition de vous accompagner et vous aider à rétablir une situation plus sereine entre vous et votre fille. Est-ce que cet accompagnement a eu lieu, Émilie ? Alors, sur le papier, oui. Sur le papier, effectivement, j'ai bien signé un accompagnement éducatif, mais l'aide promise, je ne l'ai jamais vue. La mise en place d'une TISF n'a jamais eu lieu. C'est-à-dire qu'aucune aucune éducatrice n'est venue chez vous ? Alors si, ce que j'appelle le personnel de l'ASE s'est bien manifesté, psychologue, assistante sociale, mais la mise en place de cette intervenante familiale, ce qu'on appelle des TISF, par contre, j'en ai jamais vu la couleur. D'accord. Voilà, donc, alors par contre, l'ASE emmenait ma fille, parce que dans ces cas-là, on a beaucoup constaté que l'ASE sait très bien acheter les enfants. Il les emmène au McDonald's, il les emmène faire une balade à poney, il les emmène à la boulangerie. Voilà, donc là, c'est ce qu'ils ont fait avec ma fille. Ils ont financé une colonie de vacances avec des poneys, comme ça ma fille était contente puisqu'elle adore l'équitation. Si vous voulez, jusque-là, pardonnez-moi, mais rien d'anormal parce que vous dites acheter les enfants, mais on est dans une situation un peu alarmante où visiblement votre fille a besoin de retrouver un peu de calme. Donc, on peut y voir une démarche plutôt assez saine de l'ASE. Là, il n'y a rien de suspect dans tout ça. Ce qui est important, c'est surtout le regard qu'ils vont porter sur vous, en fait, par rapport à ce placement. Parce que qu'ils essaient de, d'extraire la petite qui, visiblement, est nerveuse avec vous, a du mal à... vous dites que vous me disiez tout à l'heure que vous vouliez la toucher, qu'elle ne voulait pas se laisser toucher, qu'elle avait un comportement. Donc, qu'ils essaient un peu de voir si, dans d'autres circonstances, elle s'apaise. C'est pas quelque chose qui est suspecte, vous voyez. C'est plutôt une démarche saine et normale. Oui. Mais la TISF n'a jamais été mise en place. Ça, d'accord, et c'est compliqué. Ouais, au retour des vacances, de sa colonie de vacances, il y a eu un total silence radio. Donc, en fait, l'ASE n'a plus jamais pris de mes nouvelles, ni ne m'a recontacté pour des rendez-vous. D'accord, donc restez avec votre fille chez vous, là, un temps. Voilà. D'accord. C'est ça. Ça, c'était de novembre 2023 jusqu'à janvier 2024. Date à laquelle on m'a reconvoqué pour poursuivre éventuellement l'AED lors d'une commission. Et donc c'est là où ils se sont rendus compte que la situation avait empiré, que j'étais dans un état émotif extrêmement dur. Qu'en dites-vous de ça ? C'est vrai ? Vous n'étiez pas bien ? Oui. D'accord. Et d'ailleurs, moi, j'avais commencé à faire à ce moment-là, courant décembre, j'avais commencé à faire une introspection sur moi. Et c'est moi qui ai pu mettre des mots sur le burn-out parental. Voilà, à force de renseignements, de discussions, je leur ai dit à la commission que j'étais en burn-out parental. Et heureusement, il y avait ma conseillère familiale qui était avec moi. Et donc, ils m'ont proposé, en fait, un placement provisoire. Voilà. Donc, en insistant bien pour me rassurer sur le fait que c'était pas un placement judiciaire, c'était un placement administratif. On est parti sur une durée de 3 mois, pendant lesquels moi je me suis engagée à trouver une psychologue et d'autres professionnels pour guérir de mon burn-out parental. Ce qui donne pour l'instant à cette histoire une logique pendant 3 mois. Vous, ça vous permettait éventuellement de souffler, de vous consacrer uniquement à vous et de vous requinquer un peu. Parce que on sait qu'un enfant, et en plus un enfant que vous décrivez comme assez stressé et assez... Vous avez décrit tout à l'heure une situation où elle faisait des trous dans les murs, où elle était colérique, où elle suait. Donc, je suppose que ça devait vous rendre malade quand elle était comme ça, votre petite. Donc, là, ces 3 mois, vous les prenez plutôt bien ? Oui. D'accord. Je me dis, pour moi, ce placement, c'était un mal pour un bien, puisque moi, ça me permettait de pouvoir trouver un professionnel pour travailler
Et comme ça, je voyais ma fille un week-end sur deux. Et on pouvait recommencer à créer, à repartir sur des bonnes bases. Mmh. Voilà. Mais moi, j'avais besoin, comme tout parent d'ailleurs, hein, d'être sûr que ma fille serait dans une bonne famille. Et forcément, quand son enfant va bien, on va bien. Et si son enfant ne va pas bien, on peut pas aller mieux et on peut pas entamer ce processus de guérison correctement. Et là, malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Alors, l'ASE maintient que ma fille, en fait, me manipule. Et ils ont maintenu que ma fille était dans un conflit de loyauté en permanence. Donc, voilà, ils disent que ma fille me racontait des salades pour m'inquiéter, pour que... Voilà, c'est un mot qui revient très, très régulièrement dans les dossiers de placement abusif. Hein, c'est conflit de loyauté. On dit que la mère, elle est maltraitante psychologiquement, que c'est un danger pour son enfant. Moi, c'est ce qu'ils ont été dire. Voilà, donc le placement, ne s'est pas bien passé. Il y a des choses pour moi qui ne se font pas de la part d'une assistante familiale. On ne rentre pas dans l'agenda intime d'une petite fille. On ne lui exige pas son code secret. Voilà, il y a des choses qui... Voilà, moi je voyais des bleus sur le corps de ma fille. Le petit garçon qui était placé la malmenait. Les bleus étaient de plus en plus réguliers sur son corps. Ma fille me disait qu'elle n'était pas bien et moi, mon cœur de maman me disait « enlève ta fille ». Donc j'ai demandé effectivement par courrier à arrêter ce placement. Et il se trouve qu'en fait, étrangement, deux semaines après, je me suis fait convoquer par l'ASE. Et là, on m'a appris le 26 mars que j'avais 9 jours pour trouver un avocat et que je passais au tribunal de Narbonne le 5 avril. Voilà. Donc ils ont demandé un placement judiciaire d'un an. Oui. Et malgré en fait que j'ai réuni plusieurs témoignages d'amis, ma psychologue aussi m'a fait une attestation. La juge des enfants n'a même pas pris le temps de consulter ses documents. Elle a pris sa décision en 5 minutes de pause. Donc on est sorti de la salle. Je prends ma décision durant la pause. Et elle nous a fait rentrer 5 minutes après. Et elle a dit voilà, j'ordonne le placement judiciaire de la petite pour un an. D'accord, et ça, c'était donc en avril. Ça, c'était en avril. Et depuis, donc, votre petite est placée. Depuis, ma petite était maintenue dans cette famille d'accueil. Oui. Donc, j'avais des droits de visite, c'est marqué sur l'ordonnance que j'ai des droits de visite à la journée qui peuvent déboucher sur des droits de visite et d'hébergement, sauf qu'au mois d'avril, enfin, la zone n'a pas respecté ce jugement. Au mois d'avril, je n'ai pas vu ma fille. Au mois de mai, je l'ai vue qu'une heure. Mmh. Et à la fin du mois d'avril, l'ASE m'appelle en urgence un jeudi soir à 18h30 pour m'informer que ma fille est transférée en urgence dans une maison d'enfants. Donc quand je demande pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, parce que forcément je me suis affolée, et là on m'a appris que ma fille, en pleine nuit, aurait été trouvée dans la chambre du petit garçon de 5 ans. Ma fille s'était dévêtue et elle aurait caressé le pénis du petit garçon de 5 ans. Qui vous a dit ça? C'est la chef de groupement de l'ASE. D'accord. Et en quoi, vous, on vous remet ça sur le dos ou Pas du tout, non, pas du tout. Il n'y a pas de même à la petite. Hein, ils lui ont dit que c'était voilà, ils allaient la faire travailler. Ils lui ont bien expliqué que le transfert dans la maison d'enfants c'était pas une punition. Ils ont bien insisté là-dessus. Mmh. Mais moi, j'ai appris quand même dans la foulée que la veille de cet incident, toujours l'assistante familiale, toujours cette femme, aurait trouvé ma fille en pleine journée sur le petit garçon, simulant un acte sexuel. Alors, quand on vous apprend ça, on vous parle vraiment de mots forts. Hein. Votre fille aurait simulé une relation sexuelle. Vous vous dites quand même, elle a 8 ans, le petit garçon en a 5. Mmh. Ça se serait passé pendant les 5 minutes où l'assistante familiale est partie aux toilettes. Enfin, il y a des choses, c'est quand même alarmant. Et en fait, le ciel nous tombe dessus. Et moi, je leur ai confié ma fille pleine d'espoir, sachant que l'ASE avait connaissance des problématiques familiales avec mon père, sur voilà, tout ce qui s'est passé avec les photos pornographiques. Il faut savoir aussi que mon père a failli me tuer en janvier 2021 sous les yeux de ma maman et de ma fille. Donc tout ça, l'ASE, on avait connaissance.
Et en fait, au jour d'aujourd'hui, non seulement je n'ai toujours pas de réponse à mes questions, je ne suis pas rassurée par rapport à mes angoisses sur les comportements passés de ma fille, mais en plus, ça a été empiré. Voilà. Et je trouve un petit peu facile, au jour d'aujourd'hui, de dire que ma fille aurait été dans la chambre du petit garçon en état de somnambulisme, parce que c'est vraiment ce qui m'a été dit. J'ai un enregistrement. Vous avez des audio, écrits de ça ou... Étrangement, ça fait deux recommandés et un mail que je fais à l'ASE, au chef de l'ASE, et je n'ai jamais reçu le moindre courrier. J'insiste, hein. Et en fait, plus j'ai de silence de leur part, moins j'ai d'écrits et plus j'ai envie de creuser. Voilà. Parce que un somnambule n'allume pas les lumières. Et moi, ils ont dit que la lumière était allumée dans le couloir. L'assistante familiale, elle s'est levée comme par hasard en pleine nuit. Elle a vu la lumière allumée. Elle est partie dans la chambre du petit garçon. Elle a trouvé ma fille dans le lit du petit garçon. Donc ma fille était en état de somnambulisme, donc du coup, elle ne se souvient de rien. Le petit garçon dormait, mais ma fille était dévêtue du bas. Elle n'avait plus sa culotte et elle n'avait plus sa culotte de pyjama. Et donc forcément, aucun des deux enfants ne se souvient de quoi que ce soit. Il n'y a que l'assistante familiale qui a vu, soi-disant. Enfin, c'est j'ai envie de dire, c'est vraiment rocambolesque, en fait. Parce que... Moi, aujourd'hui, je n'ai pas de preuves, on ne veut pas me transmettre de documents. Et donc, ma fille, depuis le 26 avril qu'elle est dans cette maison d'enfants, n'a toujours reçu aucun soin, ne voit aucun professionnel pour tout ça. Voilà. C'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment très choquant et qui m'incite à lutter, à continuer de mon combat. Puisque moi, je fais ce qu'il faut de mon côté pour aller mieux. La zone, d'ailleurs, ne prend jamais de mes nouvelles. La zone ne me demande jamais comment je vais, qu'est-ce que je mets en pratique de mon côté pour guérir de mon burn-out. Mais par contre, de leur côté, tout va bien. Et la petite, par contre, ne voit aucun professionnel. D'accord. Je note que oui. Vous êtes une ancienne policière, hein, 14 ans de police ferroviaire. Oui. Que vous êtes quelqu'un qui jusque-là menait une vie plutôt équilibrée. Quand tout a explosé en 2020, c'est là que ça a commencé à ne pas aller, mais que là, vous allez à nouveau bien. La seule chose que je dois vous demander, est-ce que la ZE vous a posé des questions sur votre père, sur le fait que la petite avait... était témoin visiblement de quelque chose de grave, qu'elle avait été au contact de contenu porno. Est-ce qu'ils vous ont demandé de vous engager à ce que la petite ne revoie plus jamais votre grand-père, votre père, pardon. Alors, la ZE était forcément au courant, puisque au tout début, par le biais de ma conseillère familiale, en fait, ils se sont montrés très prévenants, très gentils, hein, ils font un petit peu ami-ami. Et du coup, je me suis confiée à eux. D'ailleurs, pour obtenir l'accompagnement éducatif, il m'a fallu faire un courrier. Donc, j'ai toujours une trace de ce courrier. Mm-hmm. Il a fallu que j'explique ma situation. Dans lequel vous évoquez ces situations-là avec votre père. Oui, et puis il y a eu de nombreux coups de téléphone aussi, parce qu'à la ZE, ça tourne beaucoup. Il y a eu des éducateurs qui sont arrivés, qui sont partis. L'assistante sociale et la psychologue aussi m'ont posé beaucoup de questions. Donc, ils étaient totalement au courant de tous ces faits-là. Alors, ils ne m'ont jamais demandé quoi que ce soit par rapport à mon père. Moi, j'avais demandé au tribunal une injonction d'éloignement. Je n'ai jamais eu aucune réponse. Voilà. Voilà. La ZE est au courant de tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis vraiment révoltée, en fait. Puisqu'il y avait une situation alarmante. Et je vous donne un dernier fait qui m'a vraiment marqué aussi, c'est que la famille d'accueil possédait une résidence secondaire dans laquelle ils allaient tous les week-ends, sauf le week-end où moi j'avais ma fille. Mmh. Et en fait, c'est un chalet qui est à la Salvetat-sur-Agout et c'est un chalet où il n'y avait que deux chambres. Donc une chambre pour le couple et une chambre pour le petit garçon.
Et normalement, dans les placements, dans les familles d'accueil, il est dit que deux enfants du sexe opposé ne peuvent pas dormir dans la même chambre. Bien sûr, bien sûr. Mmh. Voilà. Et il se trouve que dans ce chalet, dans lequel ils allaient systématiquement les week-ends et durant les vacances de février et durant les vacances d'avril, ma fille dormait dans la même chambre que le petit garçon. Bon, faut pas se poser de questions où ces situations que vous dites bizarres, où elle était soi-disant somnambule, elles ont commencé là, ces situations-là. Enfin, ça paraît évident. Si vous mettez deux enfants comme ça, de sexe opposé, dans un même lit, il peut arriver, surtout avec une petite fille de 9 ans, hein, c'est ça ? Elle a 9 ans aujourd'hui. Oui. Il peut arriver qu'il se passe des choses. Et de toute façon, dans le cadre d'un placement, elle doit avoir sa chambre. Alors, dans la maison de tous les jours, elle avait sa chambre. Oui, mais non, là, mais moi, je vous parle. Secondaire. Mais moi, je vous parle dans le cadre de son placement, dans le chalet secondaire. Il rentre pas dans le cadre d'un placement valable. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, oui, tout à fait. Soit, mais jusque-là, si vous voulez, le souci, il va falloir que vous vous battiez pour récupérer votre fille. Mais je ne pense pas qu'il faille aller là-dessus, parce que la chose que vous allez gagner, mais peut-être que c'est ce que vous voulez, Émilie, c'est qu'elle change de famille d'accueil. Mais ils ne vous redonneront pas votre fille parce qu'il est arrivé ça avec le petit garçon de 5 ans. Ils la changeront de famille d'accueil, mais si le placement a été prononcé pour 1 an, il faut vraiment que vous acceptiez cette décision et que vous travaillez au retour de votre fille dans 1 an et de mettre tout en place pour qu'elle puisse revenir dans 1 an. Mais jamais, eux, de toute façon, officiellement, ils ne reconnaîtront ce dont vous m'avez parlé là. Jamais. Oui, je l'ai constaté. Ben oui, jamais. Ça, c'est parce que ça va à l'encontre d'un placement qui dysfonctionne. Oui. Deux enfants de sexe opposé dans la même chambre, ça peut être un chalet de résidence secondaire. Je serais à votre place, je leur dirais, mais je m'en fous, moi, du qu'elle aille. Elle n'y va pas dans ce chalet s'il n'y a qu'une chambre et que. Parce que. Déjà qu'elle avait des problèmes avant le placement que vous avez évoqué tout à l'heure, qui était quand même pour le moins un peu choquant pour une maman de voir sa fille faire ça régulièrement et un peu partout. Donc là, les situations que vous nous décrivez montrent quand même qu'il vaut mieux éviter que cette petite dorme dans le même lit qu'un petit garçon, non ? Alors, pas dans le même lit, ils avaient chacun leur lit, mais dans la même chambre. Mmh. Normalement, ça n'est pas... conseiller, c'est une chambre chacun. Mmh. C'est une chambre chacun. La prochaine étape pour vous, c'est quand, là, maintenant ? On va être obligé de conclure, Émilie. C'est quand ? Alors, ça va être l'appel, puisque moi, j'avais fait appel de la décision. J'ai trouvé une nouvelle avocate sur Narbonne, je suis dans le processus de monter le dossier, donc ça y est, toutes les pièces sont transmises. Mmh. Mais c'est vrai que l'année dernière, il y a eu la commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur les manquements des politiques de la protection de l'enfance, qui a fait grand bruit. Oui, mais ça a fait grand bruit, mais rien n'a changé, je vous rassure. Voilà, rien n'a changé. Et en attendant... les commissions, c'est fait pour ça, pour faire grand bruit, vous voyez ? C'est ça, dans ce pays. C'est ça. C'est rarement suivi d'actes, en fait. Oui. Malheureusement. Mais je constate que plus je mets le pied dedans, plus je vois des choses. Je sais qu'un enfant, ça rapporte de l'argent à l'ASE, aux familles d'accueil, aux institutions. Et ce que je vois, c'est que très étrangement, ils s'en prennent vraiment aux parents qui présentent des fragilités à un moment donné dans leur vie. Les parents isolés, les familles d'enfants autistes ou en situation de handicap. Et clairement, je trouve ça abject. Ça a déjà été le cas sur cette libre antenne. Nous avons eu des témoignages allant dans ce sens. Bien sûr. Mais encore une fois, là, si vous voulez, battez-vous pour récupérer votre fille. Mais
je me dois de vous dire ce que je pense. Hein. Je pense qu'avec ce qui s'est passé, vous qui n'étiez pas très bien, en plus de ça, le grand-père, votre père, qui était... alors, il est pas dans la même région que vous, hein, mais vous y alliez régulièrement, je crois. Oui. Je pense que là, l'ASE a joué un rôle qui est le sien, vous savez, de protection à tout prix de l'enfant, sans regarder les détails tout de suite qui pourraient faire qu'on prenne voilà, un peu plus de précautions. Là, il y a eu une décision de protection de votre fille instantanée, qui, malheureusement, génère ensuite que vous deviez montrer patte blanche pour récupérer votre fille. C'est ce qui va être le plus compliqué. Mais en même temps, ça arrive. Hein. Ça arrive que des enfants, après un an, soient... C'est dur, mais l'ASE rend aussi les enfants. Hein. Mais c'est extrêmement dur. Donc, oui. Je ne sais pas, quand vous parlez des éléments que vous avez constitués pour retrouver votre enfant en appel, mais je vous déconseillerais d'aller sur les... Vous savez, sur ce que l'ASE vous a raconté avec ce petit garçon et tout ça. Mm-hmm. Je vous conseille ça parce que à partir du moment où vous allez vous mettre en position de les attaquer ou au moins de remettre en question la fiabilité du placement, c'est-à-dire la fiabilité, on a parlé de cette chambre-là en résidence secondaire pour les deux enfants de sexe opposé, je pense que vous pouvez... Ça peut jouer contre vous. Moi, c'est le conseil que je vous donne par expérience depuis 5 ans que je suis là. Les appels doivent se faire dans un climat de plus, il faut écouter, montrer patte blanche. Il s'agit plus de dire que vous allez mieux, que ce burn-out là maintenant est presque consommé, que vous vous sentez beaucoup mieux, que voilà, faire état d'une situation qui est la vôtre, parce que le placement de votre fille et l'appel qui va en découler là, ça va être un peu votre procès à vous. Hein. Vous saisissez ? Oui, voilà. Oui, mais comme ça a été le cas au mois d'avril. Hein. Voilà. Donc, en fait, en gros, dans ce type de confrontation, il faut être gentil, doux, calme, et ce qui n'est pas toujours facile. Parce que la réalité ne porte pas obligatoirement à rester calme et tranquille. Et à montrer patte blanche. Mais c'est une institution qui ne tolère pas les critiques. Dites-vous bien ça. Donc, mais votre avocate, je pense, va vous le dire, si elle ne vous l'a pas déjà dit. Vous nous tiendrez au courant, Émilie ? Oui, merci beaucoup, Olivier. J'espère que ça va aller, en tout cas. Merci déjà, vous allez mieux. Donc, c'est bien. Oui. Hein, moi, je fais en sorte d'aller mieux. D'ailleurs, tout le monde le constate. Bah, c'est très bien, ça. Oui, voilà. Mais ne vous préoccupez pas de l'ASE, vous allez mieux, montrez-le, apportez le maximum de témoignages allant dans ce sens, amenez aussi toute preuve que votre fille ne sera plus jamais au contact de ce grand-père. Hein. Il faut vraiment apporter tout ce qui est plus, en fait. Voilà. Oui. Et ne surtout pas les critiquer. D'accord ? Oui. Je vous souhaite bon courage, Émilie, et tenez-moi au courant. Merci beaucoup, Olivier. Je vous en prie. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de soirée. Au revoir.